500 euros. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente parce que je vais reprendre les vidéos YouTube. C'est pas les moments où je suis la caméra parce que je dois mettre mes chaussures. Malgré je trache. C'est un format un peu pas habituel sur ma chaîne YouTube. En fait, je suis grave contente. J'ai enfin un local studio où je peux filmer quand exclusivement quand j'ai des interviews ou la NES une interview dans un endroit calme. Donc ça sera fait le local, c'est pas une location, je vais pas vous mentir, c'est un truc que je prends seulement quand j'ai besoin de tourner. Et je me suis dit du moins filmer quand un peu les coulisses, un petit vlog, tu vois comment je travaille, ou j'ai un rendez-vous pour un témoignage testimonial. Pour parler un peu de la vie étudiantine en Algérie. Et c'est bon, d'être cortapté, etc. C'est bon, on est un dimanche. Il est 13h30. Et là, je vais aller filmer. Et de toute façon, vous allez voir la série sur YouTube, la série de testimonials à propos de la vie étudiantine. Il y aura d'autres thématiques, évidemment. Le petit vlog, et j'espère y a du coup. Du dimanche, jogging, mais bon, comme je suis une banane à la vidéo, et puis on est dimanche, c'est mon invité. Normalement, il chauffe aujourd'hui parce qu'il faut qu'on garde l'exclusivité pour l'interview, mais sinon, ça va être cet espace là où on va filmer. C'est cool. Hein. On va commencer dans quelques instants. Une champion, ma boc. Peut-être que tu peux garder la bouteille, Marac. J'ai vraiment soif. Je prends mon matériel. Bismillah. Ah, tu vois, j'ai ramené un petit éclairage au cas où. Ça va faire du bien. Ouais, tu peux te mettre là ou sinon on va voir à la caméra. Je pense qu'on peut voir l'éclairage. Le trépied, à la balle, c'est un truc de ouf, ce trépied. Il me rend la vie. Ah, c'est pour ça, parce qu'il n'est pas au milieu. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. En fait, donc là, je comprends où elle est. Merci beaucoup. À très prochainement, ben, dans d'autres contenus, pourquoi pas. À la fin, je te souhaite la réussite. Je te souhaite d'aller très très loin. Merci. Au revoir, vous faites. Donc, allez, au revoir, t'as ça. Donc, je suis là. Ah là là, c'était super sympa. Avec une tactardop, on a fait la technique de segmenter les vidéos. Je vais lancer plusieurs vidéos comme la thématique. Je te jure, j'étais en train de segmenter les vidéos. Parce qu'en fait, chaque discussion, je tirais de toi des informations intéressantes, tu vois. Donc, une segmentée en de 4-5 minutes chaque vidéo, ou là, de moi. Tu verras, de toute façon, je te coupe. Je pense que d'ailleurs, les gens sont beaucoup plus. C'est juste qu'ils ont plus d'opportunités que nous. Il y a des différences. Dans mon matériel, normal, dans mes opportunités, c'est un avocat. Mais sinon, ça va se faire couper bien. Donc, il fait. L'un qui dit qu'il y a un peu de temps, il y a un peu de domaine.
Il faut dire. C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, parce que j'ai fait le même constat cette année. Ouais. Eh ben c'était vraiment sympa, hein. Ouais. Pas pareil, hein. Et je me suis mise à monter. Et en fait, qui écoute une chauffe les petites vidéos que j'ai fait pour ce vlog d'Alium, tiens, ma date la chute. J'avais oublié de vous dire au revoir, de vous expliquer pourquoi Aout Bent fait de la vidéo. En fait, voilà, je suis très contente de partager ces informations. Menhan roule comme ça, lui, parce qu'elle est bizarre, ma bench. Menha, Madal comme elle a mes futurs projets. Et puis, je suis très contente d'avoir un petit local où je reçois des gens faits de temps à autre qui n'ont rien filmé. J'espère que la production de mes contenus, un jour, j'espère qu'elle soit un jour assez rentable, suffisamment rentable pour que je puisse louer un studio à plein temps, même si je ne me vois pas faire que ça. Mais il connaît au moins un studio où je peux filmer, où je peux recevoir les gens, etc. pour des débats, pour plusieurs thématiques. J'ai plein d'idées, mais les moyens ne suivent pas forcément. C'est vraiment plaisir, je reprends YouTube, le montage, ça me manque énormément. C'est vraiment une passion pour moi de créer, d'innover, pourquoi pas. Voilà, donc les prochaines vidéos, ce sera sur les étudiants, sur la vie étudiantine ici en France. Donc, les étudiants algériens, ils ont fait ça, ou ils ont les problèmes. Chnou hum les galères les qadrou yaïchouhum parce que je pense en fait qu'ils sont pas suffisamment représentés que ce soit YouTube ou les documentaires etc. Mais hadrouch c'est aussi un tabou qui m'a fait les hadrouch vraiment à l'almachak li jazou alayhom parce que mihbouch yakol waldehom mihbouch leur famille mihbouch nas yarfou les galères les qadrou yarfouhum. Donc voilà, il y aura une série d'interviews, de témoignages, koul wahed hkaytou, koul wahed ses expériences, hadlqahom f ma chaîne. Ma chaîne YouTube, je me mets au travail. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. Merci d'avoir regardé ce petit vlog. Comme vraiment, j'ai hâte de vous lire, de lire vos commentaires. Il y a des contenus que je veux faire, il y a des thématiques que je veux faire. Et puis, haters gonna hate les 3-4 arguments qui sont dans le hijab, les mères algériennes. Écrivez-les aussi en commentaire parce que vraiment, on a hâte vos commentaires. Merci beaucoup pour vos encouragements et comme ça. Et puis, je vous retrouve très très prochainement des vidéos. Là, les étudiants, premier témoignage, je vais avec Naoufel, un étudiant déjà récemment en France. Et puis il y aura aussi d'autres étudiants les haya hadro flash YouTube taï tahallaou bzaf fi rohkom. Ciao.